commence à devenir un petit peu longue là, les manches là. Ouais. Donc bienvenue à tous, les filles, j'en risque les bons, on verra bien ce que ça donne. Salut. Donc on est sur Zetsubou no Shima encore, vous le voyez, et en fait on a lancé une partie avec Lady, puis on s'est dit allez, on va essayer de faire 60 manches. À l'ancienne. Voilà, donc c'était assez rapide parce qu'on a commencé, allez, il y a 3 heures peut-être, non? Non, même pas. Ouais, 2h30, 3h. Ouais, même pas. C'est un peu, vous voyez, la stratégie, bah nous on campe, hein, de toute façon c'est la stratégie la plus rapide. First room, le crâne, on a les... Donc, on a pris chacun en fait une soupe fatueuse. Donc là vous voyez, moi j'ai la BRM en mode d'artifice. Et j'ai aussi le B23 ici. Il est arrivé sur toi. Comme c'est l'arme du mur. Donc les araignées, là ça commence à spawn vraiment vénère. Alors on a chacun, je vais vous montrer, on a chacun je crois 4 donnes. En fait on avait fait vous savez, la plante médicinale. À un moment donné on s'est laissé un petit peu débordé de fenêtre, on est mort. Et du coup on a dû bouger de la first room. On a pris un peu de temps derrière ce moment là. Alors pour info, le deuxième gobblegum à cette manche il coûte 32 500. Voilà, on a tous les deux les munitions, je crois, mais j'ai cachoterie. Ouais, mais c'est la dernière manche qu'on fait, les gars, on va quitter à la 60, moi je vais fermer l'application pour pas faire des gobblegum. En tout cas voilà, la strat franchement assez facile, donc là on a laissé fermer cette porte là, et là-bas on a tendu là une manche d'araignée, puis l'araignée elle a pris sa toile, et voilà, on reste ici, on reste en haut, comme ça spawn pas là-bas en bas, vous voyez, Lady elle a cette fenêtre là. Ah, la mienne, ça spawn beaucoup moins que la tienne. Vous voyez la mienne, regardez. Bah, de toute façon, regarde les frags. Voilà, j'ai deux fois plus de zombies qu'elle. J'avoue qu'ici, c'est un petit peu chaud, mais. La vôtre est plus proche que vous ne vous y attendiez. Donc, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez farmer aussi les kits divinaires en rachetant des munitions de B23R. J'en ai eu deux à la manche d'avant. Bah, j'ai plus une de. D'ailleurs, j'en ai plus. C'est vrai? Ouais, mais j'ai le crâne à fond, donc si ça sort, je pas craint. Je vais sortir, j'ai le crâne. Donc des fois on laisse sortir les zombies comme ça si on peut avoir des... De toute façon on va arrêter à la 60, t'entends, tu sais quoi, je me cache le tri. Ah, attendez, ah, bah... Ouais, je croyais que c'était tombé d'un coup de ça, j'avais pas compris. Merde. C'est pour ma fenêtre. C'est la fin, non? Non. Ah, j'en ai pas à ma fenêtre, tu dors toute la vague. Ah, puis là il spawn vénère, on va mettre le crâne. Comme ça, on les rentre. Ah bah j'ai une bombe. Y'a un câble. Les araignées apprennent ou pas les cabos, je sais plus. Elles les prennent. Ouais. Ouais, donc je vous disais les gars, tout à l'heure on est mort. Parle pas trop fort sinon vous allez entendre un écho dans le micro de Lady. Exact. Donc, tout à l'heure on est mort, on a eu l'œuf. Alors on avait tous les deux, je crois, 400 000 et 300 000 points. Et en fait, vous repartez avec les points que vous avez au moment présent. Et du coup, laissez tomber, on a perdu. Donc je suis reparti avec 7000, je crois, 7000 points. C'est la dernière. 300 000. Les araignées elles sont vraiment chiantes par contre. Donc voilà, on a mis quoi? Je pense qu'on a mis 3 heures en tout cas avec la préparation de la map, 3 heures. C'est vrai que après c'est vraiment hyper rapide. Vraiment, et de temps en temps vous avez les deux boss là qui vont spawn, il y en a deux qui vont spawn à tour de rôle. Pareil, vous les tuez au crâne tranquillement. Il n'y a rien de compliqué. Hop. Tu veux faire quoi, un déco au début de la 60 ou... Moi ce que je propose, c'est pour qu'on leur montre un peu le temps que ça dure quand même, c'est qu'on fasse la 61. La 60. En entier. Donc on a fini la manche. Est-ce qu'on va avoir les gros peut-être dans la 60? Soit les gros, soit ouais, les araignées. Okay. Attends, par contre je vais prendre un gobblegum si je peux avoir cachoterie. Ouais, la même. Oh merde. Tu l'as pris en... Non, j'ai eu de la merde. Voilà les gars, on va faire la 60, comme ça vous allez voir le temps que ça dure, parce qu'en fait, faut savoir que la manche était déjà commencée depuis 2 bonnes minutes quand j'ai lancé l'enregistrement des mains. Bah non, mais c'est les araignées. Ah bon, on va faire 62 alors. Allez. Non, 61. Non, non, 62, on va quitter au début de 62. Ah, prise murale. Essaye de flatter cacheterie, si jamais. Non, je suis prise murale. Je vais fumer mon masque à gaz. Non, t'es quoi, moi j'ai fumé mes points à mon tour. Ah, du coup, tu leur as dit qu'on a fait un mur avec une araignée là? Ouais, j'ai montré, ouais. Attends, je recharge vite ma sulfate, vu qu'elle est lente à recharger, comme j'ai pas passe-passe. Au niveau des atouts, t'as quoi, toi? Moi, j'ai que les atouts. Moi, j'ai tous les atouts, moi. Après, pour ceux qui ont pas accro des atouts, je vous conseille, comme un atout, prendre passe-passe, mastodonte,
Vas-y, moi c'est bon. Hein. La toux de l'araignée là, et 3 armes. C'est vraiment ce que je vous conseille. 64 500 le truc. Bon, j'ai mon crâne s'il y a jamais un boss. Donc là, vous voyez, on lance. Regardez combien de temps ça va faire. Non, mais franchement, c'est rapide. Par contre, ce qui est bien. Alors là, vous voyez, il y a un boss qui spawn. Lady, je te laisse le faire. Celui-là, t'as ton crâne. Vas-y. Voilà, donc vous voyez, il y a un boss qui spawn là. Là, vous avez vu le premier. Il meurt pas. J'ai le bug à nouveau. Alors, des fois, il y a un bug avec le crâne. Je vous mens pas, on a eu deux fois le bug. Il meurt pas en fait. Et d'un coup il disparaît et il n'y a pas de deuxième qui spawn. Non, non. Je mets un singe vite fait parce que du coup j'ai pas pu gérer ma fenêtre. Il y a le deuxième. Hein. Tu as le crâne ou pas? Il monte par le. Ouais, bien joué. Voilà. Ouais, c'est tranquille en fait. C'est comme les araignées en fait, ça arrive toutes les 4 ou 5 manches, il y en a deux qui spawnent et surtout faites attention de bien péter le sport là, ma chéco aussi. Je sais pas pourquoi en fait le sport faut le péter. Parce qu'au final il spawn quand même. Voilà, j'ai pas de menu. C'est pas bon, ouais, c'est d'en avoir avec le crâne. Et un truc qu'on fait aussi, c'est qu'on fait une plante carnivore. On a fait une plante carnivore aussi. Bon, là, il n'y est plus. Mais normalement, on en fait une. Comme ça, si les zombies sortent, ils vont sur la plante carnivore. Tu l'as fait avec de l'eau violette. Tu l'arroses une à trois fois. Ça dépend vraiment des fois. Ah, oui, les araignées, elles volent carrément. Je tiens à préciser également que cette strat, elle n'est pas de nous. Hein. J'ai vu cette strat sur, pour ceux qui veulent savoir, sur les vidéos de Relating N. Qui est je crois que c'est un Finlandais. Je ne trompe pas. Les araignées, elles sont vénères là. Elles sont vénères. Ces araignées sont plus chiantes en fait. Ouais. Sinon tu resterais calé à ta fenêtre sans bouger, ça serait trop cool. Oui, il a toute l'araignée, il est vraiment pas mal, ça bloque les zombies derrière. Il y a cerise aussi au final, c'est pas mal parce que quand tu recharges, derrière toi tu les tues. Enfin, elles t'attaquent par derrière. Je vais en laisser sortir quelques-uns pour essayer d'avoir les mêmes. Sérieux? Moi ouais, je sors pas, hein, je les tue. Voilà. Ah, j'ai l'immune. Ça va nous aider à finir. Alors en fait, comme un con, j'ai pas mis, vous savez les gars, il y a qu'on spell antithèse alchimique, un truc comme ça là. Et j'ai oublié de le mettre comme un con, d'habitude je le mets toujours. Il y a autre chose aussi, ceux qui ferment les divinums, bah. Il y a les mules là, du calibre, du Rex Calibre, ouais, je sais plus le nom, pas amélioré. Des fois vous avez un équilibre divinum en faisant ça là. Et moi j'ai plus de mazamine, de mine de mazamine du coup. Je mets une cachotterie, attends. Ou alors on tente de la laisser sortir plutôt. Vas-y, je mets cachotterie. Ça je les prends parce que de toute façon ils sortent que de la fenêtre donc. Vous pouvez prendre hein, les machines comme ça là. Allez, regardez à la vitesse où ils arrivent les gars. À deux fois à ta fenêtre, ça spawn les vénères. Alors, c'est sûr et certain qu'on aurait pu continuer à aller un peu plus loin. En fait, on a moins l'impatience qu'avant. Avant, c'est vrai qu'on essayait de faire quand même pas mal de grosses manches. Ça sort. C'est ton côté? Ouais. C'est les araignées, en fait, elles m'obligent à bouger. Derrière toi, il y a un zombie. Hein. Je l'ai dit, des fois elle vient me filer un petit coup de main en fait, parce que c'est vrai qu'à cette fenêtre là c'est hardcore, là-bas ça arrive un peu plus au compte-gouttes. Mais cette fenêtre là c'est vrai que c'est vraiment hardcore. Et franchement je vous conseille que l'autre il fasse toujours un peu attention, vous voyez. Faut bien communiquer parce que ça peut aller très vite. En fait, moi j'ai le temps de mettre une balle de mazamune, je repasse sur mon petit gun, ou ma BRM, peu importe. Je m'occupe des araignées.
Et normalement, j'ai le temps d'en tuer 3-4 avant qu'elle revienne, retirer une balle et voilà. On va les laisser sortir un petit coup, on a le crâne, vous voyez. Ah oui, vous voyez, toi, je veux dire, ou quoi. Des fois qu'il y a des mines qui tombent. D'ailleurs, j'ai fait le con, les gars. Je vais fermer ma fenêtre. Il me dit si singe, hein. Non, mais c'est bon, là. Bon, on a eu cachotterie. Le bombarder. C'est la fin de la manche, je crois. Ouais. Du coup, j'ai pas regardé le timer. Du coup, 5 minutes 30, on l'a mis. Franchement, ouais, les gars, encore pour une 5 minutes 30 pour une manche 61. Vous imaginez, ça veut dire que vous pouvez faire une trentaine de manches comme ça par heure. Bon, c'est sûr, après, le temps des manches va augmenter, bien évidemment. Oh, mais je pense, allez, en une heure, vous pourrez faire entre 10 et 15 manches, je pense, assez facilement. Voilà. Mais c'est en que tout cas. Je viens de cramer 64 000 balles. En tout cas, franchement, on espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'on va arrêter là, les filles. Franchement, moi, j'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin, forcément. Non, on va couper. Et on va surtout fermer l'application. Je te laisse fermer l'application en première. Vas-y. Tu me dis quand tu le payes, histoire que je meurs pas. Attends, de toute façon, j'ai mis des seins. T'as fermé? Attends. Hop. Il y a toujours un délai. Voilà, moi c'est fermé. Parfait. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo si ça vous a plu. J'espère que je vais pas mourir. Non, c'est bon, j'ai fermé l'application. Heureusement. Voilà, donc manche 62. On a fait 63 même, c'était le début de... Non, début de 62, pardon. Donc manche 62 à 2 en coop sur Zetsubo no Shima. Franchement, c'est pas mal du tout. Vous nous direz si cette stratégie vous plaît. C'est une stratégie qui est vraiment ultra rapide, vous avez vu. On a mis, je pense, 3 heures. Ouais, 3 heures, on a dû commencer, voilà, 17h30, il est 20h30. 3 heures à peu près pour faire 62 manches sur Zetsubo en coop. C'est pas mal du tout. On n'a pas besoin de faire le secret. La prépa, elle est vraiment très rapide. En tout cas, voilà, bah, Lady, GG à toi. Bah, bien joué à toi aussi. Et ben, n'hésitez pas donc à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Prenez soin de vous, les potes. À très bientôt. Tous. Salut tout le monde.